Merci, chers élèves. Je suis le prof Mambuya Timantiemi, en troisième scientifique. La fois passée avec vous, nous avons vu les systèmes de trois équations à trois inconnues avec la méthode addition. Mais aujourd'hui, maintenant, nous allons développer par la méthode de substitution le même exercice. Comment procéder pour résoudre un système des trois équations à trois inconnues par la méthode de substitution. Première étape, nous faisons la nomenclature des équations. La première équation, c'est x moins 2y plus z égale à moins 4. La deuxième, 3x plus y moins 2z égale à moins 3. La troisième, nous avons x plus 2y plus 2z égale à 5. Nous allons choisir une équation et tirer une inconnue. Et l'inconnue à tirer, c'est au choix. Mais il faut prendre une inconnue qui a comme coefficient 1 pour un peu faciliter l'exercice. Si nous prenons la première équation, j'ai dit 1, c'est-à-dire que je prends la première équation, j'ai recopié x moins 2y plus z égale à moins 4. L'inconnu la plus facile à tirer, c'est soit x, comme il y a un comme coefficient, soit z, comme il y a aussi un comme coefficient. Si nous tirons x, il reste 7 au premier membre. On aura moins 4 qui était déjà là-bas, moins 2y passe là-bas, ça devient plus 2y. Z aussi passe au second membre, ça devient moins z. Ça, j'appelle ça la quatrième équation. Maintenant, la quatrième équation va s'introduire dans la deuxième et dans la troisième. 4 dans 2. C'est-à-dire, nous prenons la quatrième équation, nous l'introduisons dans la deuxième. On aura 3. Les x, j'ouvre la parenthèse. Pour remplacer par sa valeur, moins 4 plus 2y moins z, suivi de plus y moins 2z égale à moins 3. Donc, toute la quantité x ici est remplacée dans la deuxième équation. Par la distributivité de la multiplication par rapport à l'addition, 3 avec moins 4, on aura moins 12, 3 et 2y. 6y, 3 et moins z, moins 3z, plus y, moins 2z, égale à moins 3. Réduction des monomes semblables. 6y avec y, je souligne, 6 plus 1, ça fait 7, moins 3z, moins 2z, ça fait moins 5z, égale g moins 3, et quand moins 12 passe au second membre, ça devient plus 12. On aura 7y moins 5z, 12 moins 3, ça fait 9. Ça, j'appelle ça la cinquième équation. J'introduis encore, nous sommes ici, la quatrième équation dans la troisième. C'est-à-dire que je remplace x par sa valeur que j'ai trouvée ici. Voilà, tout ça c'est x. Je vais remplacer x par sa valeur. J'ouvre la parenthèse. G moins 4, 2z, 2y, moins z. Tout ça c'est x suivi de 2y. Plus 2z égale à 5. Voilà, la troisième équation est transformée en remplaçant x par sa valeur, mais en recopiant 2y, 2z et 5. J'enlève les parenthèses. Moins 4, 2y, moins z, plus 2y, plus 2z égale à 5. J'ai réduit le monomes. 2y, 2y.
ça fait 4 Y. 2 Z et moins Z, ça fait plus Z, égale 5 qui était là-bas. Le moins 4 passe pour ce comment ça devient plus 4. 4 Y plus Z, 5 plus 4, ça fait 9. J'ai ce qu'on appelle la sixième équation. J'ai réduit le système à un système de deux équations à deux inconnues. Et les inconnues sont Y et Z. De la sixième équation, où nous avons 4Y plus Z égale à 9, je vais tirer une des inconnues. Je préfère que Z, l'inconnue la plus facile à tirer. Z égale à 9 moins 4Y, que j'appelle la septième équation. La septième équation s'introduit dans l'équation 5. Je rentre à la cinquième équation. Nous regardons ici. On a 7y que je recopie. Moins 5z. J'ai 5. Z par sa valeur. 9 moins 4y. J'ai rentré z par sa valeur. Égale à 9. Je supprime les parenthèses. J'ai 7y. Moins 5 et 9 par la distributivité de la multiplication, c'est moins 45. Moins 5 et moins 4, on a plus 20y égale à 9. 7y et 20y, ça fait 27y qui est égal à 9. Moins 45, un terme indépendant se déplace pour aller au second membre. Plus 45, 27y égale 5 plus 45, 54. Et pour avoir Y, 54 divisé par 27, ça fait 2. Que j'appelle la huitième équation. La huitième équation s'introduit dans l'équation précédente, dans la septième équation. Regarde la septième équation. On a Z égale à 9 moins 4Y. Donc, Z, c'est égal 9 moins 4, Y, sa valeur, c'est combien? 2. Donc, Z égale 9, 4 fois 2, ça fait 8. Z égale 9 moins 8, ça fait 1. Quelle j'appelle la neuvième équation? Nous avons déjà trouvé Y égale à 2, Z égale à 1. Maintenant, il nous reste maintenant X. Qu'est-ce qu'on fait? On prend la neuvième équation et la huitième équation, on les introduit dans la quatrième. Dans la quatrième. Or, la quatrième équation, c'est quoi? X égale moins 4 plus 2y moins 7. Donc, on aura X égale moins 4, nous sommes ici, plus 2y, j'écris plus 2. Or, Y, c'est combien, hein? C'est 2. Suivi de quoi? Moins Z. Moins. Z égale à combien, hein? 1. X est égal à moins 4. Plus 4, moins 1. Moins 4 plus 4, c'est quand même égal à 0. Et on reste avec quoi? Moins 1. On a trouvé les trois valeurs. Donc la solution, c'est un triplé où x égale à moins 1, y égale à 2 et z égale à 1. Voilà comment résoudre un système de trois équations à trois inconnues. Trois équations à trois inconnues. Avec la même démarche, vous allez essayer de travailler ce système ici. Dx plus 3y moins z égale à moins 6. 3x plus 2y plus 4z égale à 7. X moins 2y plus 5z égale à 15. Ça, c'est les devoirs. Les devoirs
Et le numéro, c'est 082-188-77-30. Donc, vous suivez la même démarche pour résoudre ce système avec la méthode de substitution.